Et Galassiwa. Et Gatonia. Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu as là? Nous qui n'en avons pas, on a l'habitude de se poser la question, est-ce que les riches ont leur Dieu à part? Voilà. Comment se fait-il qu'il y a certains qui sont riches et nous autres ne sommes pas riches? Comment est-ce possible? Comment ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Mais qu'il y a certains qui sont riches, il y a certains qui sont... Mesdames et messieurs, et Gato, c'est le titre du dernier projet de Manu Koraman dans lequel il a posé cette question. Est-ce que Gato, il a posé des questions. Pourquoi lui? Ou bien pourquoi il y a certains qui sont riches, il y a certains qui sont pauvres? En tout cas, mesdames et messieurs, venez, on va écouter le son. On va regarder le clip qu'il a sorti. On va voir si on peut trouver la réponse là. S'il peut nous en parler. S'il a donné la réponse à cette question là. Dans ce son qu'il a titré Gato. Mesdames et messieurs, Manu Koraman, nouvel épisode de Obélique et Réaction. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Glock. Allez, allons regarder le clip. Let's go. Manu Koraman et Gato, le clip officiel, mesdames et messieurs, le son est produit par Vicky Victorious, voilà. En tout cas, regardons le clip et Gato de Manu Koraman. Let's go. Hey. Manu Koraman. C'est Vicky là, il a quelque chose de très particulier. Il a quelque chose qui le différencie, qui différencie ses prods des prods des autres. Franchement quoi, c'est ça, hein, genre... Ton art, tes prods, si tu es beatmaker, doit être différent. On doit reconnaître en même temps que hey, ça, c'est différent. Et c'est ce que je remarque chez Vicky. Parce que tu allais écouter la sonorité. Écoutez, écoutez. Écoutez un peu. Hein? Écoutez, écoutez. Oh. Yeah. Non. Vicky. Hey, my brother. Tu es trop fort. Wilfried, c'est en nous, voilà, c'est lui qui a réalisé le clip vidéo, voilà. Voilà la question, est-ce que les riches ont un autre Dieu qu'ils adorent et les pauvres, leur Dieu est différent? Ou bien c'est comment? Parce qu'on ne comprend pas. Hein? Est-ce que Gato avait ma wato voué ou amen avait ma wato voie? C'est ça la question de Manu Koraman. Dans ce son-là, voilà, et Gato, en tout cas, let's go. Et Gato, mais ma wale voma. Quand tu tombes, ma wale voma. Ou amen avait ma wale voma. Moujilanya, moujilanya. Je veux comprendre, papa. Ce que tu as dit là, je vais faire. Pourquoi sur ce projet-là, dans ce son-là, il a, on dirait, son thème vocal est presque pareil, identique à celui de Baby Philippe. Voilà, il sonne comme... Pas dans le style, hein, le thème vocal, quoi. Même un peu dans le style. Voilà, c'est... Bon, c'est moi, hein, c'est moi qui... Écoutez à partir d'ici. Je veux comprendre, papa, ce que tu as dit là, je vais faire. J'ai dit dans ta parole, un enfant ne connaîtra la souffrance, mais jamais... Tu as dit dans ta parole qu'un enfant de Dieu peut connaître la souffrance, mais pas la honte. Tout ce que tu as dit, papa, j'ai fait. Mais pourquoi? Comment est-il que moi, je ne suis pas riche? Comment est-il que moi, j'ai pas d'argent? Je ne suis pas riche. Comment est-ce possible? C'est la question de Manu Koraman. Et je crois bien que voilà, nous sommes nombreux à nous poser cette question-là aussi. Aïe, c'est profond. Ce que tu as dit là, j'ai fait. J'ai dit dans ta parole, un enfant de Dieu connaîtra la souffrance, mais j'en veux la honte. Est-ce qu'on peut être tranquille dans son cœur quand on est un pauvre, quand on souffre de jour en jour? Non. On est toutes les fois là à réfléchir, à penser. Nous sommes toujours pensifs. Fiquez ma quoi galo, fiquez ma quoi business de l'ébaringa, banamo. Lesquels m'a des recours et toutes les situations à Médo. C'est notre quotidien. Voilà la question. C'est ce que relate Manu Koraman dans ce son. Et Gato, tu allez, c'est profond, c'est deep. Let's go. On est dans la souffrance, mais jamais. La honte. When I'm name of you. Hey, Doudou, y'en a, nous sommes à vous. Ayo. When I'm name of you.
Voma. Quand tu tombes, ma wale Voma. Voma. Ma wale Voma. Mujilanya, Mujilanya. Et quand tu tombes, ma wale Voma. Quand tu tombes, ma wale Voma. Wamena, ma wale Voma. Mujilanya, Mujilanya. C'est le scénario là que je ne comprends pas, mais bon, j'espère que vous, au moins, vous aurez une idée, hein, vous aurez une théorie, voilà, sur ce scénario là dans le clip. En tout cas, regardons, des gens bien sapés, trois gars, trois go, ils se rencontrent quelque part, en tout cas, regardons. Je sais que je contrains des zéros. Parti des zéros pour devenir un héros. Aquelo, non. Et voilà, c'est la prière. Je sais. J'ai la conviction qu'un jour, on t'amène les héros. Majo les zéros à trois héros. Ouais, dis amen, dis amen. Hey, dis amen, dis amen. Yo. Héros, je sais que je contrains des zéros. Parti des zéros pour devenir un héros. Aquelo, non, quand Aquelo. Mouyabo, ja, ouais, non, des marlins, Aquelo. Ou bien le scénario c'est voilà, Egato sont en train de faire une réunion, lui qui est le pauvre, c'est lui le chef cuistot, quoi. C'est lui qui... Ah ouais, qui se charge de... Voilà ce qu'ils vont manger et tout. Donc, c'est lui qui se voit pauvre et puis il pose la question. Les riches, ils sont autour de la table, là. Est-ce que Wabemawa tout voit? Il est autant tout voit. Est-ce que c'est ça? C'est dans ma tête. J'ai réfléchi à haute voix, hein, en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris le scénario. When I name my vote, I have no name to my vote. I know my name. Yo, la façon dont il est couché sur le lit là, c'est très souvent, c'est dans cette position, on se retrouve très souvent, hein, quand on est sur notre lit, on réfléchit, on pense à demain, et nous qui là qui arrive, bon, on va gérer quoi, comment la journée, si qui met tout là pour garder à se gérer la journée, à se démêler avec toutes les situations, des mots, tu as l'argent, cherchons l'argent, hein, mais si tu as l'opportunité de, voilà, maouang, bon vide nawa, d'akbena maou quoi, en tout cas, manou koraman, et gâteau, voilà. Voilà. Et ceux qui ont compris un peu le scénario là, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous l'avez compris. Hein. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, c'est Egatoro, ils se sont réunis. Et lui, le pauvre, c'est là, il les voit et puis il se pose la question. Est-ce que leur Dieu, les riches, leur Dieu est différent du Dieu que lui, le pauvre, il adore? Donc, voilà la question. Egato, mesdames et messieurs, voilà le projet, voilà le clip réalisé par Wilfried Seonou, le son produit par Mianto Minya, Vicky, Manu Koraman Egato, voilà le projet, le lien vers ce clip-là est disponible dans la description de cette vidéo, mesdames et messieurs. Il a besoin de notre force, allons lui donner de la force. Likez, partagez, surtout n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Laissez un commentaire et dites-moi aussi dans les commentaires ici comment est-ce que vous trouvez le projet. Hein, moi, je l'ai trouvé très, très bien réussi. Le fond y est très bien écrit. Voilà, le sujet est un sujet, voilà, dans lequel tout le monde va se retrouver. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Obélique Réaction. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Doc. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!